C'est normalement quelque chose que tu accroches au-dessus de ton lit dans ta chambre pour protéger des mauvais esprits. Ah ouais ? Voilà, c'est des Indiens, ils appelaient ça un attrape-rêve. Et comme ça, ils te gardaient tes plus beaux souvenirs et ils chassaient les cauchemars. Alors là, monsieur le Premier ministre, là, alors il m'épate. Là, il m'épate. Oh là, waouh ! C'est toi qui fais le... Moi, j'ai fait la déesse, tu fais la... Non, mais attends, moi il y a quelque chose de fascinant. J'adore la couleur bleue comme c'est ça. Vrai ? Ah mais j'adore ça. La finesse, il faut quand même se rendre compte, c'est un doigt le volant. C'est un doigt. C'est hyper léger, hyper doux. C'est assisté que quand le moteur tourne. Oh, la poignée, il y a un côté très Star Trek. Tu te rends compte? Et comment il faisait comment Steve McQueen pour conduire vite? Je crois qu'elle était un peu différente. Ah, il y a un drapeau canadien derrière. Mais oui, parce qu'il est amoureux du Québec. Attends, elle est formidable celle-ci. Ça, et regarde, les breaks, mais t'as envie, tu sais, d'ausculter. Les breaks disques, il était marqué devant. Tu vois, t'as envie d'ausculter ou. De l'autre côté. Exactement. Moi, tu me demandais ce que j'adore sur cette voiture, j'adore ça. J'adore les coups avec les petits souliers. Tu sais que sur le nouveau modèle, il y a eu un débat. Ils avaient enlevé et maintenant ils sont revenus, les petits choux. Mais tant mieux. Et tu vois celle-là, la Mustang. Mais Mustang. Mais t'as Ford devant. T'as Ford devant. Mais sur les roues, on avait mis Ford sur les générations plus contemporaines. Et maintenant, c'est le cheval, enfin c'est le Mustang qui est revenu. Le Pony. Les Mustangs bas de gamme avaient des freins à tambour non assistés, direction non assistée. Celle-ci, elle a des freins à disque assistés. Pour l'époque de 1967, c'était pas mal. Elle a la climatisation. Ouais. Elle a la direction assistée. Donc tout ça, c'était des options. D'accord. Et vous avez 20 chevaux de plus aussi. Elle fait 200. Voilà. Parce que vous voyez, une admission Edelbrook spéciale. Qu'est-ce que c'est que je dis, moi, qu'une admission Edelbrook? C'est nul. Oui, un peu moi aussi. Je ne bricole pas du tout. Alors, c'est quoi une Edelbrook? Nico, regarde. Dis que tu sais pas aussi. Dis que personne ne sait quand même. J'ai le droit quand même. Disons que c'est carburateur et entrée d'air et tout ça, c'est spécial. La Mustang d'origine a un double cœur. C'est comme un double carbu Weber, quoi, peut-être. Non. Eh bien, exactement, je vais vous dire pourquoi. Ah. Quand je démonte la gamelle, mon carbu, mes quatre carbus, ils sont sous la marque Edelbrook, vendus aux États-Unis. Ouais. Et derrière, il y a la plaque, ce sont des Weber. Effectivement, vous aviez raison. Et Patrick, le Made in USA, ça a été rajouté? Ça, c'est pas d'origine. Non, mais la regarde, c'est magnifique. Non, mais ça, c'est un bel objet en soi. Oui. Attends, non, mais ça, c'est en métal. Oui, c'est en métal. Mais non, ça, un objet en soi. Mais ça, je le prends comme ça. On est fatigué, vous savez. Faut pas nous en vouloir, on agit pas très vite, mais. Si vous saviez, Patrick, je vais même vous raconter. J'adore les matériaux. Pour moi, c'est plus chic que tout ce qu'on... C'est ça que je comprends pas. Tu vois, la Passat, c'est magnifique et tout. Mais c'est le mur de l'Atlantique, alors que là, tu as du charme. Là, tu vois, ça respire le... C'est dingue, hein, ça avait 100 fois plus de classe. Ouais, c'était là, évidemment. L'instant est important, puisque là, nous rentrons en territoire américain. Ah oui ? C'est-à-dire qu'officiellement, cette partie de terrain, et c'est pareil pour la pointe du Hoc, 10 km plus loin, là, en fait, on n'est plus en France, on est aux États-Unis. Mais réellement, c'est un territoire. Si un enfant naît ici, là, il a le passeport américain. Ça, je ne sais pas. Non, parce qu'en général, il y a très peu de naissances dans les cimetières. Oui, mais enfin, écoute, je ne sais pas si c'est bien. C'est le Yankee.
style, tu vois, Jack. When you've got a Mustang, you've got to have the Yankee style. It's meant to be cool and to be okay. Bien sûr, attends. That's the car. It's a great day for me now. My grandfather was there on Homer Beach in 1944. And I'll be back. That's very, very strong for me. That's with my friend Nicolas Laperrue. You know that his grandfather was the cooking chief at the White House. That's so cool. That's right. I love France. I love France and I love that. I asked my friend Patrick to take his car because I like France, but I don't want to drive in a Renault. I need to have a Mustang. So that's why here we are. We're the best car. That's the Ford. And I have the Colombo coat. You know that? That's a great. That's the Colombo coat. I bought it with a 403 Peugeot. That's a very expensive one. I said so. Alors, regarde-toi. Viens voir, Jacques. S'il n'y a qu'une chose à retenir. C'est ça. Alright. This one. Do you know what is this? You know what is this? No. Do you know what is this? It's for the rappel. Sans l'alcool, il a bu de la bière, il est saoul. Je suis là. C'est le niveau d'huile. C'est le rappel de clignotant. Arrête. When you've got the light. Non, démonstration. Ah, démonstration. Patrick, démonstration. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Ça, il n'y a que les ricains pour penser ça. Regarde. Voilà. Attention. On a honte, j'ignorais ce truc-là. Tu vois? Comme il n'y en a pas de vent, ainsi, voilà. Voilà. Et ça, c'est très ricain. Parce que les Cadillac, elles avaient ça aussi. Et même les Cadillac, ils avaient un truc là. Si jamais tu avais une ampoule qui pétait, ça s'allumait. Pour te dire que tu avais. Oui, quand l'ampoule est morte, ça s'allume. On va faire les sachants. C'est vrai qu'en général, les sachants plutôt.